Ça, c'est ce qui reste d'un BMW X544. Donc voilà un véhicule qui était sur un point élévateur, en cours de rénovation, en cours de réparation, et on n'a pas eu le temps de le sortir. Un an après, il ne reste plus rien des voitures qui stationnaient sur le parking du garage Maurier. L'atelier de 400 mètres carrés est parti en fumée. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tas de gravats. Le garagiste a assisté impuissant à cet incendie. Le feu a brûlé pendant de longues heures. Quand vous avez 1000 litres de carburant de gasoil, toutes les voitures, quand ça brûle, ça met le feu à d'autres voitures. Et puis quand ça devient important, les pompiers n'ont pas avancé parce que peur d'explosion. Et des réactions en chaîne. Ses clients ont été indemnisés, mais leurs assurances se retournent contre celles du garagiste, car les voitures n'étaient pas assurées sur le parking. Quant à son outil de travail, il faut attendre une éventuelle condamnation des responsables de ce barbecue qui a mal tourné. S'ils sont responsables, s'ils sont condamnés, leur assurance va se mettre en marche, je pense. Et à partir de là, je pense qu'on pourra reconstruire assez rapidement. Au-dessus du garage provisoire, une pancarte « Merci à tous ». Car clients, collègues et amis se sont mobilisés. Ils ont lancé une cagnotte pour acheter des outils et faire de ce local un atelier de réparation. Pour le fils qui a repris l'affaire, difficile de travailler dans ces conditions. C'est sûr qu'on a bien besoin des assurances pour reconstruire, racheter tout le matériel. Parce que ce qu'on a là, c'est bien, c'est provisoire, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on avait auparavant. En attendant la décision de justice et les indemnisations, garagistes et employés travaillent dehors. Malgré les retards dus à l'incendie, les clients sont restés patients et fidèles à leur garage.